Mon train est annulé. Bonjour à tous, aujourd'hui j'introduis ce vlog directement, et oui, on est jeudi 16 mars, et donc aujourd'hui je vous emmène avec moi jusqu'à dimanche, parce que je vais au concert de L'Homme Pâle. He's here, merde on peut pas zoomer, c'est vrai, L'Homme Pâle. Donc voilà, bah du coup je vous emmène avec moi filmer ces petits jours. Alors aujourd'hui du coup je dois prendre un train parce que je vais le voir à Marseille. Du coup je dois prendre un train ce soir et voilà. Donc cette journée ça va être la journée un petit peu travail, tout, préparer les affaires, tout ça. Donc c'est parti, let's go! Bon, que je vous explique parce que je vous explique jamais. Alors là, il est actuellement 14h57. Donc, du coup, ce matin, j'ai travaillé tout un petit peu. Voilà, j'ai mangé tout ça. Ensuite, j'avais un petit cours en visio. Du coup, bah, j'ai fait mon cours en visio. Et ensuite, là, j'ai écrit quelques lettres de motivation pour travailler cet été. Voilà, bah, du coup, j'ai fini de faire tout ça. En plus, j'ai fait mes ongles. Voilà. Alors, j'ai appris en plus aujourd'hui que ma fac. En fait en ce moment on est en plein blocus et tout ça, ils veulent encore prolonger le blocus et peut-être encore prolonger le blocus jusqu'à que le gouvernement change sa décision à propos de la réforme des retraites. Donc techniquement pour le moment je ne sais pas quand je reprends les cours. J'adore. On se retrouve du coup, il est 16h05, voilà. Donc là j'ai fini de faire ma valise, voilà. Pratique d'avoir une grosse valise, comme ça je peux mettre plein de trucs et transporter que en ça. Mais j'ai quand même un autre sac, parce que c'est mon sac, parce que j'ai pris des cours et tout, machin. Et voilà, donc là je suis ready pour partir. Là je vais prendre mon goûter et du coup après je vais faire le montage, comme je vous ai dit, des deux vidéos que je dois monter. Et ensuite un peu de code et voilà. Vu que je dois partir dans 2 heures. Je suis large. Bonjour à tous, donc je vous retrouve, il est 15h15, touchez votre nez. Donc aujourd'hui on est vendredi, voilà. Bah du coup c'est ce soir le concert, dans 5h, c'est dans 5h. J'ai trop hâte. Du coup là je travaillais un petit peu, voilà, j'ai fait à peu près 1h30 de boulot. Et bah là du coup je vais faire un peu de sport, après peut-être si j'ai la déter je me remotiverai à travailler. Et je dois aussi faire un petit peu de code. Et ensuite j'irai me préparer pour aller au concert parce que bah du coup c'est dans 5 heures donc...
En plus, je le connaissais pas et tout, donc j'étais en mode. Go to the concert! On est actuellement dimanche. C'est vrai, putain, on est dimanche. Oui, dimanche. 14h. Et mon train est annulé. C'était prévisible. Donc je suis bloquée ici. Voilà, c'est beau. Donc je suis bloquée ici. Mais l'avantage, c'est que mon papa est super. Il est rentré en vie. Il est 19h22, du coup je viens d'arriver chez moi. Genre de base mon train c'était 16h23, 18h23. Là du coup il est 19h22. Donc une heure après quoi. Mais, du coup je suis rentrée en voiture. Donc j'ai pu rentrer, donc c'est cool. Franchement la SNCF vous fait grave chier, mais bon c'est pas grave. Donc je vais vous faire un petit débrief quand même de tout ça. Aujourd'hui on n'a pas fait grand chose, hein, on est resté un peu chill et tout, parce que de toute façon c'est dimanche, donc c'est juste un petit peu promener et tout ça. Et je voulais aussi faire un débrief du concert. Mon petit t-shirt. Voilà, j'aime trop, il est trop beau, là il y a des dates derrière. Bref, du coup le concert de L'Homme-Pâle était juste incroyable, genre je réalise toujours pas que j'ai vu L'Homme-Pâle, genre... Vraiment... Il est partout. Genre là j'ai même des paroles de ces musiques en fait qui m'ont marqué, que j'ai imprimé un peu partout dans ma chambre. C'est vraiment un de mes rêves de voir L'Homme-Pâle, et du coup je réalise pas du tout que je l'ai vu. J'ai très envie de le revoir parce que là du coup on était assis et j'aimerais bien le revoir genre dans la fosse et tout, parce qu'il touche les mains des gens.
Et genre, j'aimerais trop qu'il touche ma main, tu vois, bref. Mais c'était vraiment un concert incroyable. Genre, j'ai eu tellement d'émotions. Genre, il y avait la tristesse, la joie, tout. En fait, il a pris toutes mes émotions, il les a mélangées et il les a mis dans mon cœur. Et c'était juste. C'était le meilleur concert de ma vie, la meilleure soirée de ma vie. J'ai failli pleurer 4 fois. Il est trop beau et c'est trop parfait, genre j'ai trop kiffé, donc voilà, j'aimerais beaucoup retourner à un de ses concerts, donc peut-être un jour, mais du coup c'était vraiment bien. Et ben du coup voilà, je sais pas trop ce que j'ai d'autre à rajouter. Voilà, j'aime juste vraiment trop mon t-shirt là, je vais le porter vraiment tous les jours de ma vie parce que je l'aime trop. Ce soir c'est repos parce que là je suis KO, genre vous imaginez même pas. Du coup je vais juste là aller regarder des petites vidéos, ensuite j'irai manger, ensuite j'irai à la douche, ensuite je regarderai des vidéos et j'irai dormir. Je suis vraiment KO et de toute façon j'ai pas cours de la semaine, enfin on sait pas vraiment parce que voilà c'est bloqué mais on sait pas jusqu'à quand. Donc du coup cette semaine je sais pas trop ce que je vais faire mais bref. Donc bref c'est tout. Donc bah, au cas où j'arrête le vlog ici je vous fais à tous des gros bisous, j'espère que vous avez aimé le vlog. Bisous bisous.